Bonjour à tous, aujourd'hui on va unboxer notre gamme. Donc je collectionne Dragon Ball Z, d'autres figurines aussi, mais surtout je collectionne donc Zelda Breath of the Wild. Donc voilà, donc j'ai commencé à collectionner toute la gamme Fast Four Figures. Donc j'ai déjà, enfin je vous ai unboxé il y a quelques jours Urbosa, mais en fait c'est Mipha qui est sorti en premier. Mais comme sur le site où j'ai commandé, ils n'avaient pas en stock que j'attendais. Donc du coup, je vous ai fait un unboxing de Urbosa en premier. Donc celui-ci est arrivé avant Urbosa. Donc voilà, c'est Mipha, hein. Donc c'est en PVC. Donc franchement, il y a un light-up qui est sympa en plus en USB-C. Donc c'est pour ça que j'ai kiffé ce figurine-là. Donc on va l'unboxer. Donc la boîte est comme d'habitude, hein. Donc Zelda Breath of the Wild Mipha. Donc voilà. Donc c'est avant-dernier collection de Fast Four Figures, je crois. Non, pas avant-dernière, parce qu'il y a celui-là, ensuite Urbosa, et puis il y a une quatrième, enfin pas une quatrième, mais une autre qui arrive. Je ne me rappelle plus c'est quoi, ça sort en novembre. Donc après ça, la collection sera terminée. Donc déjà, j'ai le Link, j'ai le Zelda. J'ai d'autres 3 ou 4 figurines de cette gamme-là, je ne me rappelle plus, c'est lesquelles je vous montrerai à la fin, une fois que je les ai exposées. Donc voilà, l'arrière de la boîte, elle est comme ça. Donc avec Mipha qui est juste là, magnifique. Donc ça, c'est le reste de Fast Four Figures, hein, la gamme qui est là. Et ensuite, sur le côté, rien, Zelda, voilà le logo. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Enfin, The Wild, pardon. Et puis, voilà, il y a le logo comme authentification qui est juste là. Donc, on va l'ouvrir et puis on va unboxer ça ensemble. Donc, la figurine, je l'ai payée avec frais de port 109 euros. Donc, ça va, c'est correct. Pour la qualité, ça va, franchement, c'est pas non plus très excessif au niveau du prix. Donc, on va le sortir, la bête. Elle a l'air grande quand même. Donc, ça, la boîte, je vais mettre de côté. Je vais pas le jeter. Hein. Est-ce qu'il y a du scotch? Non, donc, juste hein, enlever ça. Voilà, on dégage. Désolé pour le bruit. Et la figurine, elle est de toute beauté. Regardez-moi ça. Donc, c'est fait. La peinture est faite à la main. Magnifique. Donc, le socle qui va s'illuminer en fait, comme les autres. Donc, Mipha, magnifique. Les couleurs sont nickel. L'arrière, nickel aussi. Avec tous les détails en PVC, l'espèce de ceinture qui bouge, je sais pas si c'est une ceinture ou autre chose. Et puis là, cette espèce de lance pointue qui est là, enfin pointue, enfin il y a trois pointes, bien fait. Et puis le visage nickel, le regard nickel, la tête. Regardez-moi tous les détails, franchement, c'est bien fait. Magnifique figurine. L'espèce de chapeau poisson qui est pas mal. Donc voilà. Franchement, rien à dire. On va encore regarder de plus près. Donc voilà. Voilà la petite statue Mipha dans toute sa splendeur. Donc si vous êtes collectionneur et que vous aimez bien tout ce qui est Zelda. Et bah, cette statue-là, je vous la conseille. Elle est vraiment impeccable, bien faite, avec un light-up, donc nickel. Donc, il manque plus qu'une figurine pour compléter toute la collection. Et du coup, j'aurai fini la collection Zelda, enfin la légende de Zelda, Breath of the Wild. Ce sera terminé. Et je pense qu'ils lanceront une nouvelle collection, bah, le nouveau jeu qui vient d'arriver, hein. Donc Tears of the Kingdom qui est là, donc ils vont sans doute sortir d'autres figurines de cette gamme-là que je vais peut-être collectionner.
Mais le souci, c'est manque de place. J'ai pas beaucoup de place et ma collection principale reste quand même Dragon Ball, hein, c'est la vie. Donc, je ne sais pas, je verrai. Pour l'instant, j'ai de la place, donc je vais prendre celui-ci et j'ai trouvé une autre place pour mettre la dernière figurine pour que la gamme soit complétée. Mais voilà, je vais l'exposer comme d'habitude et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc, la figurine exposée avec les autres figurines de la même gamme. Donc, voilà. Après, j'ai le bouclier Majora Max Urbosa. Donc, ça donne une collection assez sympa de Zelda, la légende de Zelda Breath of the Wild. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, à une prochaine unboxing. Allez, salut!